Le lierre. Parasite. Le lierre. Le lierre, le truc là, qui monte aux arbres et qui les tue là. Non, non, mais moi le lierre, si je le vois, j'arrache, hein, j'y tiens à mes arbres. Le lierre, c'est vraiment de la ça. Non, le lierre, pas de ça chez nous. Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui donc sur cette question un peu polémique du lierre et en particulier du lierre sur les arbres. On a ici un beau spécimen hein, qui commence à produire des tiges assez conséquentes. Et on peut voir également que c'est une plante qui suscite parfois eh bien, des craintes dont on va essayer de déterminer ensemble si elles sont justifiées ou pas au sujet des arbres qui les portent. Et je vois bien ici que cette tige de lierre, par exemple, a été sectionnée à cette hauteur et puis également à cette hauteur ici, voilà. Bon, on a entrepris à un moment donné de débarrasser cet arbre du lierre qui est en train de le conquérir. Bonne chose ou pas, eh bien c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble au cours de cette vidéo. Alors le lierre, c'est une plante plutôt intéressante, hein. C'est une araliacée, a priori c'est la seule araliacée, en tout cas à l'état sauvage, présente en Europe. Et puis c'est une plante qui peut vivre assez vieux aussi, hein. Ça, on peut compter sur plusieurs centaines d'années d'espérance de vie pour un lierre. Et alors ce qui est important de comprendre, c'est que la manière dont le lierre va se fixer sur l'arbre ne se fait pas comme pour d'autres plantes grimpantes. C'est-à-dire que le lierre, vous le voyez très bien ici, et puis je vais essayer de vous en trouver d'autres exemples, serpente le long du tronc, mais de manière relativement verticale. Et contrairement à ce que l'étymologie de son nom indique, n'est pas du tout en spirale, hein, en train de grimper sur l'arbre, et n'enserre pas l'arbre du tout dans une spirale. Hein, et de ce fait-là, il n'y a pas du tout de compression, comme ça pourrait être le cas avec d'autres plantes, autour du tronc. Et a priori, pas de danger pour l'arbre, d'autant plus que la fixation se fait par des petites racines qu'on appelle des racines adventives. Ces racines d'ailleurs sécrètent lorsqu'elles apparaissent une substance un peu adhésive, et puis elles vont se solidifier après par la suite en vrillant un peu, et c'est ce qui va permettre une accroche sur le tronc, d'autant plus performante si le tronc est rugueux, si l'écorce est crevassée ou rugueuse, ce qui n'est pas le cas ici, mais néanmoins voilà, on peut constater que ça tient très très bien. Voilà, ici on voit très bien ce tronc qui monte verticalement. Cette liane finalement qui va s'accrocher sur ce tronc, mais encore une fois sans l'enserrer. Hein. On peut évoquer peut-être Celastrus orbiculatus par exemple, qu'on appelle le bourreau des arbres, qui là réellement, effectivement, va croître en enveloppant en spirale le tronc des arbres, et à terme peut finir par les tuer. Hein, ce qui n'est encore une fois pas le cas du tout pour notre lierre. Voilà, alors ici je me trouve en proximité d'un érable qui est vraiment magnifiquement colonisé par un lierre, qui est en fruit d'ailleurs, hein, c'est le moment de la fructification. Là, on est donc début mars, c'est je dirais même la fin de la fructification finalement, février. Il y a déjà des fruits disponibles pour les oiseaux, ce qui est l'un des attraits de cette plante. Et puis d'ailleurs, ça me permet d'observer une différence aussi intéressante entre les feuilles des rameaux fertiles, hein, donc qui ont fleuri et qui portent les fruits, et les feuilles des rameaux stériles, qui n'ont pas du tout la même forme. Hein. On parle d'hétérophilie, hein, chez le lierre, ou de dimorphisme foliaire. Il y a quelques plantes comme ça, le houx en fait partie également, il y a quelques plantes comme ça, certains eucalyptus aussi qui ont cette particularité de présenter des feuilles de formes différentes. Alors comment est-ce que ça se passe pour lui? Eh bien il y a une première phase de sa vie qui va être tapissante, rampante. En fait le lierre il connaît deux vies en une, hein.
À ce stade-là, il est incapable de fleurir. Hein. Il est plutôt attiré par l'ombre. Et puis, il va essayer de trouver un support. Alors, un mur, un arbre, plutôt un arbre d'ailleurs de gros diamètre de préférence, et plutôt isolé. Alors, quel que soit l'âge de l'arbre, puisque la taille de l'arbre ne dépend pas forcément de son âge, par contre, la préférence va vraiment se porter sur un arbre de gros diamètre, s'il y en a, c'est cet arbre-là qui sera choisi plutôt pour être colonisé par le lierre. Ensuite va démarrer la deuxième vie du lierre, en fin de compte, hein, sa vie aérienne ascendante sur son support. Et là, le lierre va mettre à profit la lumière pour pouvoir fleurir, produire donc des rameaux fertiles et fructifier. Ce qui rend le lierre très intéressant écologiquement, puisque cette floraison aura lieu en septembre-octobre et elle va intéresser en particulier les derniers pollinisateurs finalement à un moment de l'année où il n'y a plus grand chose de fleuri finalement hein, au jardin ou d'ailleurs en milieu plus naturel. Il est intéressant que ces pollinisateurs puissent se rabattre sur le lierre à ce moment-là. C'est l'un des nombreux intérêts écologiques de cette plante. Et quand on voit celui qui est derrière moi, on imagine bien que c'est une plante qui est également capable d'apporter le gîte à un bon nombre d'oiseaux hein, qui vont pouvoir nicher là-dedans ou s'en servir comme dortoir. Les baies sont très très appréciées donc en ce moment par les merles qui sont des très gros consommateurs de baies de lierre, certaines grives également, fauvettes, enfin voilà, il y a tout un tas d'oiseaux qui vont être intéressés par les fruits du lierre aussi à un moment là encore où les fruits sont plutôt commencent à se raréfier. Les fruits de viorne par exemple, c'est fini. Hein. Surtout que là, on a eu quelques jours de gelée. Ces fruits-là sont complètement disparus. Les aubépines, c'est terminé également. Donc, c'est intéressant de pouvoir se reporter sur le lierre pour ces oiseaux. Les fruits sont particulièrement riches en lipides en plus, et à condition que la consommation en soit modérée pour les oiseaux, ça reste une manne alimentaire vraiment intéressante. Consommation modérée parce que les fruits sont toxiques, alors ils le sont particulièrement pour l'homme, mais même chez les oiseaux, la faible toxicité qu'ils vont représenter va entraîner plutôt une digestion très rapide, et ce qui va permettre au lierre du coup de disséminer ses graines assez facilement. Hein, c'est d'ailleurs le premier moyen pour la plante de se propager, hein, je dirais à l'écart du pied-mère, quoi, puisque le pied-mère lui-même est capable dans sa phase rampante en tout cas de se marcoter, puisque les racines adventives qui lui permettent de s'élever et de s'agripper au support peuvent également devenir des racines terrestres à un moment donné au contact de la litière par exemple, et peuvent permettre de produire des marcottes en quelque sorte. Hein. Alors ce qui est frappant quand on observe un lierre comme celui-ci qui a bien colonisé cet arbre, eh bien c'est que finalement la croissance de ce lierre va se faire au contact du tronc et du houppier des charpentières, hein, mais jamais vers l'extrémité des branches, là où la feuillaison de l'arbre se tient et là où la photosynthèse de l'arbre va s'opérer, quoi. C'est-à-dire que finalement, il n'y a aucune concurrence entre l'arbre et le lierre au niveau de la photosynthèse. Hein, il n'y a vraiment pas de concurrence. Voilà, quand je vois un arbre comme celui-ci, un poirier d'ornement, hein, Pyrus Caleriana chanticleer, un poirier qui est pas mal utilisé en alignement, qui a une floraison plutôt sympa au printemps, floraison blanche. Quand je vois ce poirier donc qui est colonisé par ce lierre assez peu vigoureux, c'est un lierre panaché celui-ci, qui va avoir une vigueur un peu moindre que l'Edera Helix, hein, le lierre dont on vient de parler par ailleurs. Voilà, quand même, je trouve que c'est particulièrement visible sur celui-ci, hein, le fait que le tronc va être colonisé, les charpentières éventuellement, mais en aucun cas là où les feuilles vont se développer et assurer la photosynthèse pour l'arbre qui le porte. Une petite expérience intéressante qui a été menée par un Anglais à la fin du 19e, un forestier anglais hein, qui a
décidé de débarrasser de leur lierre à peu près la moitié des chênes de la parcelle qu'ils comptaient exploiter plus tard. Et sur l'autre moitié, il a laissé les lierres en place. Et 52 ans plus tard, si j'ai bonne mémoire, l'ensemble de la parcelle a été abattu pour être exploité. Et en fin de compte, on ne mesurait absolument aucune différence, ni dans la masse de bois produite de manière globale, ni dans la circonférence des troncs à la base chez les chênes qui avaient porté des lierres par rapport à ceux qui n'en avaient pas porté, quoi. Donc là encore, on peut pas soutenir, je pense, raisonnablement que le lierre représente une quelconque concurrence avec l'arbre qui le supporte. Bien entendu, quand j'observe un arbre qui est couvert de lierre comme celui-ci, j'ai toujours une petite pensée pour mes copains et élagueurs. Il est vrai que le lierre ne facilite pas la lecture de l'arbre et peut-être même dans certains cas poser des problèmes de sécurité. Alors regardez un peu celui-ci comme il est beau, il est vraiment énorme hein, finalement ce lierre. Voilà, on a presque un tronc hein, finalement collé au tronc de cet arbre. Et effectivement, ça peut être une très mauvaise idée de chercher à débarrasser l'arbre de son lierre comme ça, en espérant lui rendre service quelque part ou le sauver, comme on le dit parfois. Ils ont passé pas mal d'années ensemble. Finalement, ils se sont, j'allais dire, habitués l'un à l'autre, mais ça va bien au-delà de ça, hein. Il y a vraiment des services rendus. On qualifie parfois le lierre de parasite. C'est pas du tout du parasitisme. On peut même peut-être plutôt parler de mutualisme, hein. Tellement leur association finalement est bénéfique, en tout cas aux lierres, et on peut assez aisément se projeter aussi sur quelques bénéfices pour l'arbre finalement qui le supporte. Alors cet arbre, il est caduc, il perd ses feuilles en hiver, et donc il ne peut plus, sur cette période, alimenter avec un pourcentage parfois assez élevé d'ailleurs du produit de sa photosynthèse les champignons du sol. Hein. Ces champignons ne peuvent plus compter, les champignons mycorhiziens donc ne peuvent plus compter sur la sève élaborée et les sucres qui vont être donc fabriqués par cet arbre pendant la période hivernale. Eh bien, à ce moment-là, c'est le lierre qui, lui, est persistant. Donc, même s'il est en activité réduite en hiver, il est néanmoins toujours en activité. Hein, ses feuilles sont persistantes, elles vont vivre 3-4 ans environ. Hein, et puis, elles vont lui permettre d'assurer une photosynthèse toujours en hiver, quoi. Et c'est donc lui qui va nourrir les champignons du sol pendant cette période hivernale. Et puis, l'arbre reprendra le flambeau au printemps. Et puis, il y a une espèce de passerelle comme ça pendant l'hiver qui est assurée, un soutien un peu de la masse fongique là, hein, du sol, de tous ces champignons mycorhiziens, et puis une relation, disons, avec l'arbre qui est du coup entretenu d'une certaine manière par le lierre. Alors, il y a encore autre chose qui est vraiment intéressant avec le lierre, c'est que ses feuilles vont tomber sur une période assez courte au printemps. Les feuilles qui sont en fin de vie, hein, donc pas toutes, hein, bien entendu, encore une fois, le lierre est persistant, mais un certain nombre de ses feuilles vont tomber et elles le font toutes en même temps, sur une période assez courte. Ça, c'est assez intéressant parce que ça va du coup amener une quantité non négligeable de matière organique au niveau du sol à un moment où on ne compte plus sur les feuilles mortes qui, elles, tombent à l'automne pour les caducs. Un autre intérêt peut-être aussi qu'on peut trouver chez le lierre au niveau de son feuillage, eh bien c'est son action dépolluante, puisque le lierre est capable de retenir un certain nombre de particules polluantes. Je pense en particulier au benzène qu'on va retrouver dans les gaz d'échappement par exemple. Alors ce lierre, eh bien quand il aura colonisé complètement un arbre assez grand, d'âge déjà respectable, eh bien il va devenir particulièrement intéressant. Et en fait, on peut parler d'écosystème à lui tout seul, puisqu'il va intéresser plusieurs centaines d'espèces, jusqu'à 700 espèces différentes, qui vont vivre tout ou partie de leur cycle vital au contact de ce lierre. Le lierre constitue également un excellent couvre-sol. Alors quand on voit ce lierre finalement qui a colonisé très largement cet arbre, regardez, ça va jusqu'en haut, hein, il est vraiment, voilà, il a gagné toute la hauteur de l'arbre.
on pourrait se dire, mais en fait, il est en train de le tuer. La preuve, cet arbre penche. Je peux vous assurer que si cet arbre penche, le lierre n'y est pour rien. En revanche, effectivement, lorsque cet arbre sera sénescent et qu'il va réellement, connaître de sérieux problèmes de santé, eh bien, le lierre, par son feuillage, va représenter une prise au vent importante durant les coups de vent ou les tempêtes qu'on peut rencontrer en hiver. Et ça pourrait accélérer un petit peu la chute de l'arbre, qui de toute façon serait condamné, même sans la présence de ce lierre, quoi. Mais c'est peut-être de là que vient cette croyance, finalement, selon laquelle le lierre tue les arbres. Pour conclure, on peut peut-être également parler du lierre sur les murs, en précisant que les murs sains n'ont rien à craindre du lierre. Seuls les murs abîmés, avec des joints notamment un peu creux, pourront souffrir de la présence du lierre, mais sur un mur en bonne santé, il n'y a aucun problème. On veillera tout de même à ne pas laisser le lierre atteindre la toiture, il peut quand même grimper à 30 mètres de haut. Au niveau des tuiles, effectivement, le développement du lierre peut être problématique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, je l'espère, au potager qui dit non.